Notre invité ce matin dans la matinale, c'est Olivier Cousin. Il est sociologue et professeur à l'Université de Bordeaux. Merci à vous d'être avec nous. On est donc reparti depuis un peu plus de deux semaines pour une deuxième période de confinement. Alors, comment le vivent les gens? Comment le vivent les Bordelais? On va d'abord les écouter au micro de Bénédicte Dohan. On leur a posé la question ce week-end. Il est plus facile à vivre dans la mesure où il y a quand même plus de liberté que le premier confinement. Par contre, il est inquiétant parce qu'on voit que ça peut durer encore, on ne sait pas combien de temps, et qu'on ne maîtrise pas du tout le sujet, quoi. Je le vis mieux que le premier parce qu'effectivement, j'ai l'occasion de quand même sortir de chez moi pour aller au lycée. Donc je vois quand même des gens. Je le trouve aussi un peu plus stressant parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer après. On ne sait pas trop si on va revivre un troisième confinement ou si... ça sera le dernier peut-être. On le vit un peu mieux finalement parce que du coup on commence à s'habituer à ce virus, on commence à s'habituer aux mesures sanitaires, au confinement, au port du masque, aux gestes barrières. Mais voilà, je reste quand même très très anxieux par rapport à l'avenir. Plutôt mieux parce qu'on peut quand même plus sortir, il y a un peu plus de liberté. Et nous, on avait surtout passé notre premier confinement au Pays Basque chez nos parents. Donc le fait d'être en ville, c'est quand même vachement plus sympa. Le côté anxiogène, il est plus sur le côté économique que sur vraiment le côté confinement à proprement parler. Parce que bon, voilà, c'est vrai, quand on voit les restaurants, les boîtes de nuit, etc. Enfin voilà, tous ces commerces, même les commerçants pour Noël qui vont rester un peu sur la touche. Voilà, c'est plus là le côté anxiogène pour moi. Olivier Cousin, je vais vous demander de réagir à ce qu'on vient d'entendre. On a l'impression finalement que c'est une situation complètement inédite qu'on est en train de vivre, mais on a l'impression qu'il y a quand même une certaine forme de résilience qui se met en place. Oui, probablement, parce qu'effectivement, bon, on a déjà une certaine expérience, donc il y a l'effet moins surprenant, quelque sorte moins nouveau que la première fois. Néanmoins, peut-être ce qui caractérise cette situation, c'est l'impossibilité qu'on a de pouvoir se projeter. Il y a un événement récent, au fond, qui est assez intéressant, c'est qu'on nous annonce, qu'est-ce qu'il en sera, on ne sait pas, mais on nous annonce potentiellement qu'il va y avoir un vaccin, donc qui nous propose une sorte de porte de sortie. Bon, en même temps, évidemment, on n'en sait rien de la période à laquelle ça va avoir lieu. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que des premières enquêtes, des premiers sondages à ce propos montrent qu'il y a une extrême méfiance, puisque je crois qu'un peu plus de 40% des personnes interrogées ont fait savoir que potentiellement, elles n'allaient pas utiliser ce vaccin, qu'elles ne souhaiteraient pas se vacciner. Donc, on est vraiment dans une espèce de balancement permanent entre ces deux aspects. On supporte un peu mieux, mais en même temps, on n'a aucune idée de ce qui va nous arriver. Et c'est ça, au fond, qui est peut-être la caractéristique majeure de cette deuxième période. Le confinement pour la santé mentale de beaucoup de gens, notamment pour les gens qui vivent seuls, on l'a vu dans notre reportage, c'est quand même très compliqué. Quelles conséquences est-ce que ça peut avoir à plus ou moins long terme ? Je ne sais pas précisément, je crois que c'est assez compliqué. Un certain nombre d'études assez classiques à ce propos montrent que dans des périodes de forte crise comme ça, il y a en quelque sorte des capacités au fond de résistance, qu'on appelle aussi plus généralement de résilience. Donc il n'est pas sûr que c'est des effets pour les personnes les plus fragiles, en tout cas mentalement, des effets les plus sévères. En revanche, incontestablement, à vivre au jour le jour, eh bien, c'est d'abord pénible parce qu'on ne peut pas profiter de la vie, en quelque sorte. On ne peut pas aller voir ses proches, on ne peut pas, au fond, flâner dans la rue. Il y a une espèce de liberté qui nous est retirée. Il y a, pour les jeunes en particulier, mais pas seulement, il y a le fait de ne pas profiter de cette jeunesse. Bon, étant à l'université, c'est quand même tout à fait frappant de voir que les étudiants qui arrivent en première année, dont il ne faut pas oublier que déjà depuis le mois de mars, quand ils étaient au lycée, ils avaient été au fond privés très largement de toute forme de sociabilité. Ils arrivent au mois de septembre à l'université et ils ont profité, entre guillemets, de la vie étudiante, c'est-à-dire de l'à côté des études, pendant moins de six semaines. Et six semaines après, de nouveau, eh bien, ils se retrouvent isolés, soit enfermés dans leur chambre ou chez eux. Et donc, ils sont privés de tout ce qui est justement de l'à côté, au fond, de ce qui fait de cette vie un peu particulière qu'on appelle la vie étudiante, et ce qui est quand même extrêmement
extrêmement difficile à vivre et qui donne une image, au fond, de l'avenir assez peu engageante. Olivier Cousin, vous êtes sociologue spécialiste du travail. Qu'est-ce que vous pensez du recours massif au télétravail qui est encouragé par le gouvernement? Qu'est-ce que ça change dans nos habitudes, dans notre façon de percevoir le travail, justement? Alors d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on est très loin d'une extension générale du télétravail. Si je comprends bien, il y a à la fois un souhait, une demande, voire une exigence, au fond, d'accroître le télétravail. Dans les faits, il semblerait qu'on soit loin d'atteindre l'objectif, si tant est qu'il y ait eu un objectif véritablement fixé. Je crois que le télétravail apporte incontestablement des aspects positifs, que ce soit du point de vue donc de cette pandémie, puisque ça limite la circulation. Ça permet aussi pour toutes les personnes qui ont à se déplacer, qui ont des longs déplacements, de ne plus avoir cet aspect, donc toute la fatigue, la pénibilité et le coût aussi, les coûts des déplacements. Ça, je dirais, c'est plutôt l'aspect positif de ce télétravail. L'aspect plus incertain, voire plus critique du télétravail, c'est la perte de tout contact que vous avez avec vos collègues. Alors, certes, il y a aujourd'hui tout un tas d'outils numériques qui nous permettent d'être en téléconférence, etc. Mais il faut bien dire que c'est loin d'être ce qu'il y a le plus optimum pour travailler. On perd les liens, on perd tout l'aspect informel dans lequel énormément de choses au fond se jouent, se dénouent, permet de faire circuler de l'information, de mélanger un certain nombre de choses. Et puis je crois aussi que du point de vue des entreprises, il faut bien voir qu'il y a quelque chose qui se joue, c'est la perte en quelque sorte de contrôle d'une certaine manière sur le travail, sur ce que font les gens. Et c'est peut-être aussi pour ça que les entreprises n'incitent pas très fortement. Alors, il y a évidemment les coûts, parce que normalement, l'entreprise est censée fournir du matériel, censée fournir de l'équipement, censée fournir donc des moyens adaptés. Et il est évident aussi que pour les individus, travailler chez soi, ce n'est pas évident. On n'a pas forcément le lieu, on n'a pas forcément les moyens pour le faire. Bref, on perd aussi du confort de travail, mais surtout, je crois, majoritairement, ce que l'on perd, c'est l'inscription dans une organisation qui a à la fois ses avantages et ses défauts. Merci beaucoup, Olivier Cousin, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes sociologue et professeur à l'Université de Bordeaux. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.